Salut, vidéo un petit peu différente où on va parler des gants chauffants. Est-ce que c'est vraiment quelque chose de bien ou non pour l'utilisation qu'on peut faire en moto? Personnellement, j'ai choisi des gants avec batterie. Alors, il existe en gros deux types de gants chauffants, hein. Des gants chauffants avec batterie et certains où on branche directement soit à la prise USB de la moto, maintenant s'il y en a une, soit à la batterie. Pour moi, il y a un petit problème, c'est que me connaissant, je suis un petit peu tête en l'air. J'étais capable de partir comme ça et crac, de tout arracher. Donc j'ai préféré prendre des gants sur batterie. Voilà, pour moi, c'était mon utilisation. Mais après, chacun fait ce qu'il veut. Si vous pensez ne pas oublier de débrancher ou quoi que ce soit, pour moi, c'est un peu moins pratique. Donc j'ai préféré batterie. Voilà, donc on va parler maintenant de l'utilisation de ces gants. Parce que c'est ça qui est important. On va pas parler forcément de ceux que j'ai, de la marque. Je peux vous dire, c'est des Ixon qui s'adaptent automatiquement à la chaleur et qui font plus chaud en fonction du ressenti et qui gardent votre chaleur de main tout le temps pareil. Il n'y a pas de réglage, c'est automatique avec votre smartphone. Mais voilà. En gros, ça fait un mois que j'utilise un petit peu plus de moins 5 jusqu'à 10 degrés. J'ai pas fait moins parce que bah, par chez moi déjà, il n'y a pas fait moins. C'était vraiment le minimum du minimum, moins 5. Et j'ai roulé comme ça, sans gants chauffants, et au bout de 10 minutes, j'avais le bout des doigts complètement congelé, et je me suis dit, c'est pas possible. Donc, j'ai acheté des gants chauffants. Donc, 3 jours après, je les ai reçus. Mais d'abord, pensez aussi à les essayer en magasin, parce que les tailles sont très différentes. Moi, j'ai des petites mains, et c'est vrai que parfois, c'est pas dingue. Ça peut être un peu trop long, ou un peu trop petit. Essayez-les en magasin, même peu importe si vous voulez les. Si vous voulez voir si la taille vous correspond bien. Donc, j'en ai eu une autre paire avant, faut savoir, qui était vraiment une paire pas chère, et au final, c'était pas ouf, et je voulais vraiment une paire qui protège en plus de faire effet gants chauffants. Donc, je voulais au moins les coques en carbone et du cuir pour protéger un minimum, parce que bon, les doigts en cas de chute, ça prend quand même assez cher. Donc, pour moi, il y avait un gage de sécurité aussi, donc j'ai pris un peu plus haut de gamme que ce que j'avais avant. Dans mon utilisation, franchement, j'ai été agréablement surpris. Je pensais pas que c'était efficace à ce point-là. Avec des températures en dessous de zéro ou proche de zéro, même en augmentant le rythme, même en roulant un peu fort, eh ben, on sait bien qu'à moins 5, la température ressentie à certaines vitesses peut aller jusqu'à moins 15, moins 20. Et c'est vrai qu'avec des bons gants d'hiver plus des sous-gants, j'avais quand même un petit peu froid. Et là, ce froid a disparu. Faut savoir que l'autonomie n'est pas forcément dingue. 1 heure et demie, moi je les baisse un petit peu quand la température monte, je baisse un petit peu l'intensité, mais sinon vous pouvez monter à 2 heures et avec des batteries supplémentaires qui sont plus puissantes aussi maintenant disponibles, 2 heures et demie et voire plus comme moi si vous baissez la température. Voilà, vous voyez là, je vous montre juste l'appli de ceux que j'ai, vous pouvez directement choisir la température à l'intérieur de vos mains. Donc si vous voulez être plus près du corps, et ben, vous vous approchez de 27, et moi par exemple là quand il fait pas très froid comme aujourd'hui, je les mets à 22 et c'est bien suffisant. Parce qu'il faut savoir que si vous les laissez automatique tout le temps, et que vous êtes sur 28 et qu'il fait 10, bah vous avez quand même tendance à transpirer des mains. Donc moi je les baisse un petit peu quand je sais que la température est assez haute, et ça reste super agréable. Voilà, vous pouvez régler avec votre smartphone, mais bon, on s'en fout un petit peu. Le principal, c'est de parler un petit peu de tout ça. Ah, la vue. J'ai voulu faire cette vidéo d'heure parce que je trouvais la vue sympathique. Voilà, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à partager, à liker, à mettre des commentaires, à me dire si vous avez des gants chauffants ou pas. C'est très important, ça permet de référencer les vidéos. Voilà. Bon, on va parler maintenant des gants chauffants en général et vraiment si c'est mieux. Moi, personnellement, j'ai déjà eu des poignées chauffantes et j'ai trouvé ça bien au-dessus des poignées chauffantes. Les poignées chauffantes, c'est bien, mais vous avez quand même froid au bout des doigts au bout d'un moment. Si vous avez des paremains, c'est un peu mieux, mais c'est surtout l'intérieur des mains, donc les gants chauffants sont littéralement au-dessus. Pour les prix, en réalité, si on compare des bonnes poignées chauffantes, souvent, quand vous installez, ils vous font ça l'option à 200 euros, par exemple, chez Triumph. Donc là, moi, j'ai acheté mes gants 220 euros, je crois, les haut de gamme de chez Ixon. Bon, il y a un nouveau modèle qui est sorti depuis, mais qui a 300 euros, mais voilà. Et j'avais des batteries supplémentaires qui étaient offertes avec, il y avait un pack quand je l'ai acheté. Donc là, qu'il y avait Black Friday, vous pouvez peut-être en profiter. Donc après une longue utilisation et aussi sous temps de pluie et tout, j'ai pas eu de problème. Je sais qu'il y a quelques personnes qui avec Ixon d'autres marques qui ont eu des soucis de SAV, enfin d'étanchéité. Moi personnellement, j'en ai pas eu. Et au pire, c'est pris en charge très rapidement, ça va assez vite. Donc dans l'utilisation quotidienne, c'est très pratique.
Moi, personnellement, en hiver, je m'amuse pas à faire des balades de 3 à 4 heures. Et au pire, si je l'ai fait, j'ai deux paires de batteries sur moi, donc je peux largement tenir 4 heures. Donc même si ça me prend de faire une balade de 4 heures, pas de souci. Mais pensez à avoir soit des batteries en plus, soit à brancher sur votre batterie de moto, si c'est le cas et si vous avez les options. Hop, là, bon, bah, je les mets. Et en fait, c'est très pratique. Vous avez un truc pour tirer, pour que les manches se mettent bien et vous empêche le froid de l'air de passer à l'intérieur. Donc voilà un petit peu pour les gants chauffants. Franchement, pour ceux qui ont les moyens de lâcher 200 balles là-dedans, pour les justement des assez haut de gamme, c'est pas mal du tout. Là, il va y avoir des belles promotions, je pense, avec le Black Friday. C'est pas déconnant du tout. Après, vous avez les manchons, les trucs comme ça, qui sont très très bien aussi. Mais c'est vrai que c'est très très moche, et je comprends que certains ne veulent pas avoir ça sur leur moto. En tout cas, ah oui, et aussi niveau ressenti, personnellement, j'en avais, bah, la paire que j'avais avant, j'étais pas bien à l'intérieur. Et pour celle-là, je suis super bien, c'est très confort, j'ai pas de soucis pour embrayer ou quoi que ce soit. Donc je recommande. Franchement, on est bien à l'intérieur. Juste que moi, j'ai des petites mains et des doigts assez longs, donc je touche un peu le bout, donc je touche un tout petit peu la couture au bout parfois. Bon, c'est pas le truc le plus agréable au monde, mais ça me dérange pas en soi. C'est pour ça qu'il faut bien penser. Et les XL ne m'allaient pas du tout, donc j'ai pris des L. Mais pensez à bien les essayer avant, parce que Là, les la tailles petite sont très vis. variables. Ou alors regardez les avis des consommateurs, souvent ils le disent. Et vous mesurez vos mains et vous prenez en fonction, mais faites attention quand même à ça. C'est toujours chiant de faire des retours ou autre. Voilà, dans l'ensemble, j'en suis très satisfait. Le seul petit bémol, bah, un peu l'autonomie. Et il faut toujours penser à recharger. Moi, entre l'intercom, les gants chauffants, la GoPro et tout ça, c'est vrai que parfois on peut avoir tendance à oublier un truc et on part et on n'a pas les gants ou pas l'intercom ou pas la GoPro alors qu'on voulait faire un truc. Donc ça devient un peu beaucoup de choses, mais au final, c'est quand même très cool. Pensez juste à bien le recharger. Les côtés négatifs, on va dire que c'est un petit peu plus lourd que des gants normaux, mais une fois que vous êtes en moto, personnellement je les ressens pas tant que ça. Faites attention à pas les faire tomber ou à les mettre n'importe comment avec la batterie, ça peut peut-être pas être super. Et sinon, pas de mauvais ressenti en soi. Après, pour mon utilisation, donc pour moi, c'est quelque chose qui a tout changé. Ça me permet de me balader en hiver sans avoir froid aux mains. Et ça, c'est vraiment du bonheur. J'avais des poignées chauffantes avant et là, je les mets plus du tout. Je mets que ça. Et franchement, c'est bien mieux. Je préfère. Donc, n'hésitez pas. Franchement, si vous avez les moyens, c'est un bon investissement. Peu importe quelle marque vous prenez, essayez juste de ne pas prendre les trucs qui protègent pas du tout ou d'entrée de gamme sans les avoir essayés avant. Parce que souvent, il n'y a que deux choses disponibles et parfois, ça vous fait énormément transpirer des mains. Et en l'eau, ça réchauffe pas du tout. Donc, il n'y a pas trop de compromis. Mais sinon, dans l'ensemble, ça reste de très très bons gants. Et en plus, souvent, vous avez de la qualité au niveau des finitions et tout ça sur des gants qui sont pas beaucoup plus chers que des bons gants hiver en réalité. Parce que quand j'ai voulu acheter des gants hiver, je crois que les meilleurs que j'ai vus, ils étaient à 230, 240. Et là, en réalité, j'en ai eu pour moins que ça. Et c'était pas en solde ou quoi que ce soit, c'était à l'usage normal. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et je vous dis ciao les riders. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.